suivi, c'est je reviens, je t'ai rendu, plus loin des dieux, maintenant je reviens, la voie du péché, longtemps j'ai suivi, c'est je reviens, je reviens. J'étais plus loin de Dieu, maintenant je reviens. Voix du péché, longtemps j'ai suivi, c'est je reviens. J'étais rond, plus loin de Dieu. Du péché, longtemps j'ai suivi. Voilà, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année 2023, une année de grâce, de paix, de bonheur chez vous, bien-aimés, nos chers auditoires de Fourara TV, ici à Manchester. Nous saluons le visionnaire de cette chaîne, le pasteur Yves Vika, et nous le bénissons pour les opportunités qu'il nous donne de venir parler de la part du Seigneur. Et bonne année aussi à vous, très chers auditeurs de l'émission, auditeurs de l'émission La Voix de l'Époux Royaume Uni. Nous voici de retour après une année, parce que c'est l'année passée, c'est passé. Nous sommes maintenant 2023. Nous sommes rentrés pour la gloire de Dieu, parce que Dieu nous a demandé de rentrer. Raison pour laquelle nous sommes là, je suis bel et bien votre humble servante, la sœur Benita Bintou Moholomingo, BBL étoile salvatrice. Je suis avec le frère Hervé Bochebe, le serviteur inutile, comme il aime bien qu'on l'appelle. Nous sommes de retour pour parler de ce thème, il est de retour, parce que ce n'est pas moi qui l'ai. Qui suit la bouche autorisée, mais c'est le frère Hervé. Il est de retour dans ses plateaux en cette nouvelle année pour parler d'un thème très profond. C'est la marche d'Abraham et d'Isaac vers Moridja. C'est dans les livres d'Exode. Bientôt, nous allons le recevoir pour nous parler de ce thème. Pourquoi ce thème? Quelle est la pensée de Dieu? Avant cela, veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Veuillez inviter aussi d'autres bien-aimés, afin qu'ensemble, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu déversée sur son serviteur inutile, le frère Hervé Bochebe. Papa, bonne année, shalom, bonsoir. Oui, shalom, ma soeur. Nous disons également bonsoir à tous les bien-aimés là-bas à la maison. Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux. Tous nos meilleurs voeux, vraiment que cette année soit une année de prospérité, que vous puissiez aller de l'avant, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse, et que les portes s'ouvrent devant vous, que vous puissiez réellement palper la main de Dieu en cette année. Voilà. Amen. Comment s'est passé le fête, papa?
Oui, ça va, ma sœur. Donc, Dieu nous a fait grâce. Donc, nous commençons une année civile à la manière des hommes. Donc, mais voilà. Et puis, j'aimerais, vous savez, parce qu'il y a des doctrines qui règnent en disant qu'on ne peut pas souhaiter bonne année à quelqu'un. OK. Ouais, vous savez, c'est vraiment des doctrines qui règnent. Ben alors, il faut leur poser la question. Pourquoi dites-vous bonjour aux gens? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, quand on dit bonne année, c'est le mot... donc, c'est simplement comme on dit bonjour à quelqu'un. Donc, c'est pas un péché. Merci pour cet éclaircissement, papa. Vous êtes rentré après le repos, les pauses que Dieu vous a aussi données pour vous ressourcer. Aujourd'hui, vous êtes là ce soir pour nous parler de ce thème Abraham, la marche d'Abraham et Isaac vers Morija. Papa, c'est ça. La pensée de Dieu pour ses enfants cette année, c'est le thème que Dieu vous a donné pour cette année, parce que nous voyons dans des églises, chaque année, il y a un thème que Dieu révèle à ses serviteurs. Okay. Année de la grâce, année de bonheur, cette année, année de ceci. Est-ce que c'est ça aussi le thème de l'année pour l'évangile des saints, assemblée des saints? Non, vous savez, le thème, c'est le mot prêché à un homme qui est Jésus-Christ. Vous savez que la pensée, la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, jusqu'à l'enlèvement, nous allons prêcher que Jésus-Christ. Nous n'avons pas un thème de l'année bien précis. Cette année, c'est l'année de la conquête, c'est l'année d'élargir ses tentes, c'est l'année du rattrapage. Non. Pendant cette année de la grâce, parce que Jésus-Christ est venu dans Luc chapitre 4, à partir du 16e verset, vous lisez, Jésus dit que je suis venu pour annoncer une année de la grâce. Amen. C'est-à-dire qu'on a une année de la grâce. Donc depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous traversons une année de la grâce. Et pendant ces une année de la grâce, nous ne devons que parler d'un homme qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il n'y a pas de thème particulier. Si nous disons Abraham, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a Jésus-Christ dedans. Nous disons Isaac, il y a Jésus-Christ dedans. Donc nous ne parlons que d'un homme. Il n'y a pas d'un thème particulier. Mais ce n'est pas la même façon dont vous passez aussi si chaque semaine donner le thème. C'est comme ça que c'est comme ça aussi les hommes de Dieu opèrent dans les églises, que chaque année ils donnent aussi un thème. Bon, vous savez, s'ils donnent un thème, donc il faut, s'il y a un thème bien précis pour une année, donc ils doivent nous donner cet exemple-là biblique, où que les apôtres, parce que nous sommes édifiés sur leurs enseignements des apôtres et des prophètes. S'il y a une année bien particulière chaque année durant notre existence sur la terre, ils doivent nous donner cette référence-là biblique. Mais pendant les une année de la grâce, nous nous prêchons Christ crucifié. Okay. Donc tout ce qui peut venir après, tout ça, c'est seulement du bonus. Récemment, nous avons traversé une pandémie internationale. Beaucoup d'hommes de Dieu ont donné des thèmes, mais ils ont été confondus. Donc, seulement pour dire que le message en ce temps de la fin, c'est seulement prêcher Christ. C'est pas aller s'embrouiller dans d'autres choses. Ok, merci beaucoup, gloire à Dieu, papa. Mais c'était très important d'épingler cette chose. Et maintenant, qui est la pensée de Dieu dans ces thèmes que vous avez amenés? Voilà, très bien. La pensée de Dieu, bien-aimé, telle que nous disons à chaque fois que ici, c'est votre mission, la voix de l'époux, l'évangile éternel. Yes. Donc nous n'avons qu'un seul but, c'est de présenter Christ au peuple. Aujourd'hui, nous avons comme thème bien précis, c'est la marche d'Abraham et d'Isaac vers Morija. Yes. Rapidement, nous sommes dans le livre de Deutéronome, de Genèse, pardon, chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au 5e verset, sœur Bibiel, s'il vous plaît. Voilà, nous lisons le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1er jusqu'au 5e verset, pour la gloire du Seigneur. Salut. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin.
Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà. Nous demandons réellement que le Seigneur puisse apporter l'explication à la lecture de sa propre parole et qu'il puisse également bénir son peuple. Amen. Nous venons de lire un texte dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1 jusqu'au 5e verset, là où nous voyons que la Bible nous explique que Abraham, qui se lève de bon matin après avoir reçu les recommandations du Seigneur, Abraham devait se lever de bon matin. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller donner son fils en sacrifice. Yes. Mais lorsqu'Abraham se lève de bon matin, l'Écriture nous dit quoi? Nous dit que Abraham va sceller son âne. Abraham va prendre du bois pour l'Holocauste. Abraham va fendre le bois, va prendre deux serviteurs, son fils, et ils vont marcher en direction de Morija. Mais l'Écriture dit que pendant 3 jours, ils ne vont pas voir le lieu que le Seigneur avait préparé pour le sacrifice. Mais c'est seulement au bout du 3e jour de marche que Abraham voit le lieu d'adoration. Mais il le voit de loin. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham doit laisser 2 serviteurs. Est-ce que nous comprenons? Oui, prendre son fils, monter sur la montagne, et c'est là-bas que Abraham doit donner le fils en sacrifice. Nous disons ceci rapidement, bien-aimés là-bas à la maison, que ces choses étaient seulement des choses allégoriques. Oui, Abraham, Isaac, les serviteurs, l'âne, les bois, la montagne ont existé physiquement. Mais Dieu a utilisé ces hommes comme des appareils didactiques. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement. Okay. C'est-à-dire que c'était des gens réellement qui ont vécu sur la terre. Okay. Mais derrière ça, il y avait la pensée de Dieu. Voilà pourquoi que j'aime notre frère Paul. Le frère Paul dit ceci. Dans Romains chapitre 15, juste à partir du 4e verset, l'apôtre Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous puissions posséder l'espérance. C'est-à-dire que derrière ce passage-là, il y a un enseignement. Yes. Nous, dans notre évangile, dans l'évangile que nous prêchons avec les apôtres et les prophètes, nous disons que lorsque nous disons Hervé Botchebé, c'est de l'histoire. Nous pouvons dire président Macron, président Poutine, ce sont de l'histoire. Mais lorsque nous disons Abraham, Jacob, Isaac, ce n'est plus de l'histoire, c'est qu'il y a un enseignement derrière ça. Est-ce que nous comprenons? Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Reprenez le verset premier. Le verset premier du livre de Genèse 22 nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Ok. Descendez verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je continue. Oui. Abraham s'éleva. Verset 3. Oui, verset 3. Okay. Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âne. Ok, mettons une pause. Nous voyons que verset 1, verset 2, le Seigneur parle à Abraham. La Bible dit que après ces choses, quelles sont ces choses, sœur DDL? C'est que auparavant, Abraham n'avait pas de fils. Dieu lui donne un fils. Nous voyons tous ces mouvements passés et l'Écriture nous dit maintenant, après ces choses, après lui avoir donné un fils, maintenant Dieu met Abraham à l'épreuve. Ok? Yes. Il lui dit d'aller lui donner son fils en sacrifice. Déjà, nous devons nous poser la question, bien-aimés téléspectateurs, sœurs DDL, qui est Abraham? Nous allons voir Abraham en 3 volets. Okay. Si nous lisons Genèse chapitre 20, verset 7, la Bible nous dit qu'Abraham est un prophète. Or, il faut faire très attention
avec les mouvements des prophètes. Voilà. Lorsqu'un prophète fait un mouvement, c'est que c'est significatif. C'est qu'il y a un enseignement derrière. Il faut faire très attention avec le mouvement des prophètes. C'est très significatif. Quand un prophète fait un mouvement, ce n'est pas au hasard. C'est qu'il y a un enseignement qui est caché derrière ça. Pourquoi ce même prophète, pas un pasteur, un docteur, un évangéliste? Oui, parce que là, nous parlons des prophètes de l'ancienne alliance. C'est que Dieu utilisait ces prophètes, ces hommes-là, pour nous enseigner quelque chose. Et pour répondre directement encore en profondeur, les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle alliance sont différents. Ok. Ne sont pas la même chose. Éclaircissez, papa, s'il vous plaît, comment, Oui, ils sont différents. C'était des voyants à l'époque. On les appelait des voyants. C'est que Dieu déversait son esprit dans des hommes choisis. Mais maintenant, parce que ces prophètes-là expliquaient qu'un homme qui est Jésus, la venue de Jésus. Que ces prophètes-là aussi de l'ancienne alliance, leur mission n'était que en Israël. Ils prophétisaient que en Israël, pour le peuple d'Israël, pas pour les nations. Oui. Maintenant, les prophètes de la nouvelle alliance, ils travaillent pas en Israël. C'est pour eux, les nations. C'est comme les docteurs pour les nations. Tu es ministre dans l'église corps, c'est pour les nations. Tu es évangéliste, c'est pour les nations. Tu es pasteur, c'est pour les nations. Mais tu parles sous la puissance du Saint-Esprit pour prêcher un homme qui est Christ. Mais nous allons expliquer toutes ces choses lorsque nous allons parler du ministère. Mais aujourd'hui, nous voulons expliquer cette portion de l'Écriture, ma sœur. Abraham, prophète, et nous disons que il faut faire très attention avec les mouvements des prophètes. C'est qu'il y a un enseignement. Leur mouvement est très significatif. Abraham aussi, nous allons le voir comme Dieu lui-même. Prenez Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 1er, nous descendons jusqu'au 3e verset. Voilà, Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 1er. Allez-y, mon frère. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Qui cherchait l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Ok, ici Dieu demande au peuple de jeter les regards sur le rocher. Ok, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la... Prenez le verset 2, parce que au verset 1, dans la Bible, nous dit de fixer le regard sur le rocher. Verset 2. Portez les regards sur Abraham. Voilà. Plus haut, on nous dit que de fixer le regard sur le rocher. Mais le verset 2, la Bible nous dit de fixer le regard sur Abraham. C'est que Abraham, c'est un rocher. Prenez Psaume chapitre 18. Ici, nous expliquons Abraham comme Dieu. Psaume chapitre 18. Le livre des Psaumes, le chapitre 18, verset... Verset 32. Verset 32. Nous disons pour la gloire du Seigneur. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Donc Dieu est un rocher. Donc Dieu, dans Ésaïe 51, Dieu appelle Abraham rocher. Mais Psaume chapitre 18... dit que Dieu, c'est aussi un rocher. Donc, Abraham, c'est l'image de Dieu lui-même. Abraham aussi, c'est l'image d'un fidèle, mon ennemi. Prenons Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux, chapitre 11. Alléluia, le livre de Hébreux. Chapitre 11,
Hébreux chapitre 11, verset 8, lisons pour la gloire du Seigneur. Jésus est merveilleux. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Voilà. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. Ici, nous avons l'image d'Abraham comme infidèle. C'est par la foi qu'Abraham se déplaça. Yes. Donc, nous avons Abraham en trois parties. Comme prophète, comme Dieu lui-même, et comme l'image d'infidèle. Okay. Nous avons ces trois volets-là. Ok, yes. Et il faut faire très attention avec les mouvements que Dieu fait. Lorsque vous voyez Abraham marcher, comprenez que c'est Dieu lui-même qui marche. Okay. Lorsque vous voyez que Abraham allait sacrifier son fils, comprenez que c'est Dieu qui va sacrifier son fils. Donc Dieu, lorsqu'il fait un déplacement, il le fait à travers Abraham. Lorsqu'on voit Abraham se déplacer, nous comprenons que c'est Dieu qui bouge. Donc Dieu bouger, c'est que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose derrière ça. Ok. Pardon papa, mais comment est-ce qu'on peut différencier, ici c'est Dieu qui fait le mouvement, ici il agit comme un fidèle, ici c'est ce que nous allons expliquer. Ok. Reprenez Genèse, chapitre 22. Voilà. Aujourd'hui, nous allons marcher pour expliquer tous ces petits mouvements d'une manière sommaire. Mais la semaine prochaine, nous allons vraiment rentrer rapidement dans la profondeur, dans ce que nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre réellement pour leur vie. Gloire à Dieu. Le verset premier ? Non, le verset 2. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, verset Isaac. 3. Abraham s'éleva de bon matin. Voilà. Ici, on nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Yes. Pour que Abraham puisse se lever de bon matin et qu'il puisse aller accomplir ce que Dieu lui avait dit, c'est que Dieu lui avait parlé le soir. Parce que l'Écriture dit, il se leva de bon matin. Amen. Ce n'est pas écrit noir sur blanc que Dieu lui a parlé le soir. Mais dans la pensée de l'Écriture, nous allons démontrer que c'était le soir que Dieu lui a parlé. Amen. C'est clair. Papa. Ce que Dieu lui a dit le soir, Abraham doit se lever de bon matin pour aller l'accomplir. Amen. Voilà ce que nous expliquons. Yes. Nous allons expliquer la nuit en deux volets. Premier volet de la nuit explique quoi? C'est que Dieu lui a parlé la nuit. Le premier volet de la nuit explique tout simplement le temps de la loi. Pourquoi? Selon Deutéronome chapitre 5 verset 22, la Bible dit que Dieu donna la loi à Moïse, donna la loi au peuple d'Israël. Il leur donna quand? Il leur donna la loi pendant la nuit, dans les ténèbres. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le temps de la nuit, Dieu avait déjà expliqué par le moyen des prophètes qu'il allait sacrifier son fils. Amen, papa. Et entre parenthèses, quelle est l'importance que Dieu donne au temps? Parce que quelque part, la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand vous expliquez le jour, la nuit, quelle est l'importance que Dieu donne vraiment au temps? Oui. Oui, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Si nous continuons, vous allez comprendre. Dieu marche par rapport au temps. Dieu, c'est un prophète. Yes. Donc, Dieu, il y a des choses qu'il fait pendant un temps, mais il y a des temps aussi où que Dieu s'arrête et Dieu continue. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, papa. Donc là, il faut avoir, il faut être connecté pour comprendre le mouvement de Dieu. Oui, vous allez comprendre. Yes. Je vais être simple. Pendant la nuit, nous expliquons ça. Le premier volet, ça explique quoi? Nous expliquons comme le temps de la loi. Parce que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël pendant la nuit, c'est le soir. Yes. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Dieu donna la loi pendant le soir. Donc pendant le temps du soir, Dieu avait déjà montré au peuple, par les prophètes, comment il allait déjà sacrifier le fils. C'est-à-dire que par tous les mouvements des prophètes,
ça nous enseignait déjà que Dieu allait sacrifier son fils. Mmh. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au 11e verset, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ils ne faisaient que attester les souffrances et la mort de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que par les mouvements des prophètes de l'ancienne alliance, Dieu enseignait déjà que son fils allait être crucifié. Lorsque vous voyez que Dieu donne une loi, que lorsqu'il y a un péché, apportez l'agneau, cette image-là nous enseignait déjà que Christ allait être crucifié, que le fils allait déjà mourir. Amen. Parce que pendant ce temps-là, Dieu a parlé par des signes. Amen. Lorsqu'on donne un agneau, c'est un signe. Dieu a parlé par des visions, par des songes, pour seulement annoncer la mort du fils. Alléluia. Vous voyez? Amen. Amen. Or que la loi, ce n'est que l'ombre des choses à venir, selon Hébreux chapitre 10. Alléluia. La loi n'est que l'ombre des choses à venir. Yes, amen. Mais la réalité se trouve en Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a annoncé pendant la loi, la dispensation de la loi, ne faisait qu'annoncer un homme. Lorsque Jésus, lui, il vient, toutes ces choses-là s'accomplissent en lui. Amen. Voilà pourquoi que Colossiens chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul dit que la réalité de toutes choses se trouve en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième volet pour expliquer le soir, c'est pendant l'éternité. La nuit, ici, explique l'éternité. Lorsque nous disons l'éternité, c'est une chose qui est hors du temps. Okay. Voilà pourquoi que l'apôtre Pierre nous informe en disant ceci, que l'agneau de Dieu a été prédestiné bien avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 20. C'est-à-dire que, bien avant que Dieu puisse créer le monde, Jésus-Christ était déjà mort. Donc, bien avant que le monde soit monde, avant que nous ne puissions naître, Dieu avait déjà annoncé que son fils allait mourir. Bien avant que Adam pêche, la solution au péché d'Adam était déjà là. C'est-à-dire que Christ était déjà mort. Voilà, nous avons expliqué la nuit en deux volets. Okay. La loi et l'éternité. Où est-ce que ça prouve que bien avant le sacrifice, Jésus était déjà mort? Ça prouve 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Le verset que vous avez donné, oui. Pierre dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné, immolé, bien avant la fondation du monde, mais manifesté en ce temps. C'est temps, ok. Vous voyez? Donc, bien avant le monde, la création des choses visibles que nous voyons, Jésus était déjà mort. Mais lorsqu'il vient sur la terre, c'est pour accomplir ce qui s'est déjà fait depuis l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a parlé à Abraham quand il lui a parlé le soir, pendant qu'Abraham dormait. Alléluia. Dieu a parlé par des visions. Mais c'est le matin que Abraham, maintenant, il doit aller exécuter ce que Dieu lui a dit. Donc Dieu lui a demandé d'aller crucifier son fils le soir. Il lui a demandé ça le soir. Mais c'est le matin, de bon matin, qu'il doit mettre en exécution ce que Dieu lui a ordonné. Voilà pourquoi que nous redescendons dans la doctrine pour dire aux gens que lorsque Dieu nous demande quelque chose, là maintenant nous rentrons comme fidèles. Abraham. Abraham comme fidèle. Hébreux 11:8, comme fidèles. Qu'en tant que fidèles, nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Amen. Entendre le Seigneur. Lorsque nous cherchons à trop comprendre Dieu, à trop échanger avec Dieu, lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, en réalité, nous sommes en train de nous distraire. Nous sommes en train de retarder notre bénédiction. Je prends un exemple dans la Bible qui est clair. Naaman, le sergent syrien, frappé de lèpre. Lorsqu'il va vers Élisée, le prophète Élisée, il va chercher Élisée, mais on lui dit, si tu veux voir le prophète, avant de voir le prophète a dit déjà, va te baigner. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il pouvait aller le faire. Mais Naaman a commencé à réfléchir, à discuter en disant, oh, est-ce que chez moi en Syrie, il n'y a pas d'eau là-bas? Est-ce que l'eau de l'or Jourdain, est-ce que l'or Jourdain est bien meilleur que l'autre là-bas en Syrie? Tout ce temps que Naaman passait à discuter, il était en train de retarder
sa bénédiction. Sa bénédiction. Il était dans la distraction. Il pouvait seulement écouter là-bas, il y a un homme de Dieu. J'exécute la parole du Seigneur, je me jette dans l'eau. J'ai ma bénédiction. Voilà ce qui se passe avec beaucoup aujourd'hui. Ils veulent comprendre trop Dieu. Dieu, il y a des situations où que il faut même pas réfléchir. Si tu réfléchis trop avec Dieu, de un, tu te distrais. Deux, tu retardes ta bénédiction. De trois, tu ne vas jamais comprendre Dieu. Ah, c'est ça. Parce que c'est ça. Dieu agit de plusieurs façons. Il y a des cas où que tu arrives, où que ça dépasse ton entendement. Mais nous acceptons par la foi seulement pour que totambola bien. Amen. Seulement pour que nous puissions avancer. Amen. Mais si nous voulons réfléchir, comment on peut vous dire qu'une femme, on lui a retiré les trompes, mais elle peut concevoir. Mais c'est une folie. Dieu ne te demande pas de réfléchir. Il te demande d'agir. Voilà pourquoi que Abraham ici, nous le faisons aussi sortir comme un fidèle. Alléluia. Comme un fidèle qui doit agir. Amen. Qui doit exécuter Amen. Dieu. Amen. Mais ici la Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin. Sœur, qu'est-ce qui peut se lever de bon matin? Ce n'est que le soleil. Alléluia. Un instant, papa, avant de continuer, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il faut que les gens ne puissent pas beaucoup réfléchir à ce que Dieu leur demande de faire. Alors, pourquoi d'autres gens alors réfléchissent? Parce qu'ils réfléchissent par manque de connaissance de Dieu, par manque de révélation de Dieu, ou bien simplement, je ne sais pas pourquoi ils arrivent que d'autres gens y réfléchissent avant d'exécuter. Est-ce que parce qu'ils ne connaissent pas Dieu ou bien parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces dieux-là qui leur demandent de faire quelque chose? Parce que si vous ne comprenez pas ces dieux-là, si vous ne connaissez pas ces dieux, vous ne comprenez pas comment ils opèrent, comment vous allez exécuter. Là, nous parlons en tant que fidèles. Ok, fidèle. Donc, quelqu'un qui est Dieu. Enseigné. Ok. Ok. Nous disons qu'en tant que fidèles, il y a des choses, des petites choses aussi que nous mettons en exécution. Mais Dieu nous demande à tout moment, à tout moment, de croire. Nous vivons par la foi et non par la vue. Il y a des cas maintenant où que l'homme se trouve, il se retrouve face à des situations où que la chair maintenant le pousse à réfléchir. Yes. Voilà. Et maintenant, cette chair-là, bien-aimé, cette chair-là, il ne faut pas la suivre. Parce qu'elle va te pousser à faire des choses qui sont contraires. Comment discerner alors que ça c'est la chair qui me pousse ou ça c'est la voix de Dieu, je vais exécuter? Parce que la chair, elle te dit, ça c'est impossible. Nous avons pris un exemple, une femme. On dit à une femme qu'elle ne peut pas concevoir, elle n'a plus de trompe. La chair, qu'est-ce que vous dire? L'intelligence humaine, qu'est-ce que l'intelligence humaine veut dire? C'est impossible. Que c'est impossible. Est-ce que nous comprenons? Que, je comprends, oui. Que, donc, nous disons que Abraham, ici, il s'élève de bon matin. Ok? Abraham, ici, est aussi l'image du soleil. Alléluia. Mais déjà avant ça, bien-aimé, nous voyons que ce Abraham-là, il a deux fils dans sa maison. Oui. Mais pourquoi Dieu, lorsqu'il vient, il lui demande seulement Isaac? Mais il ne lui demande pas Ismaël. Mais Dieu lui dit, ton fils unique. Alléluia. Or que physiquement comme ça, Abraham a deux fils. Abraham n'a pas que un. Il a Isaac et Ismaël. Yes. Or, vous allez remarquer que Ismaël, c'est un enfant qui est né comment? Il est né selon les désirs de Sarah. Yes. Alors que Isaac, lui, est né selon les désirs de Dieu. Alléluia. Donc deux fils, mais qui sont nés selon deux désirs différents. Un, selon le désir de Sarah, et l'autre, Isaac, selon le désir de Dieu. Mais qui est Sarah? Sarah, c'est la femme d'Abraham. Yes. Ma sœur. Amen. Or, c'est quoi la femme? C'est qui la femme? La femme, c'est la chair, c'est le corps. Parce que dans Genèse, chapitre 2, lorsque Adam se réveille, il voit Ève pour la première fois, qu'est-ce qu'il dit? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Dans l'ensemble des chairs. Hein? C'est-à-dire que la femme, c'est le corps de l'homme. La femme, c'est la chair. Ok. Donc, Ismaël, c'est un enfant qui est né selon les désirs de la chair. Wow, wow, wow. Et que Isaac,
C'est un enfant qui est né selon les désirs de Dieu, c'est-à-dire selon les désirs de l'Esprit. Amen. Voilà pourquoi que lorsque Dieu vient de la maison d'Abraham, il ne demande pas les désirs de la chair, alléluia, mais il demande l'Esprit. Alléluia. Voilà alléluia pourquoi que l'apôtre Paul nous exhorte en voilà disant Dieu ceci que dans Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dieu n'a pas besoin du désir de la chair. Mais est-ce que papa, on peut les séparer, on peut ça quitter facilement, parce que c'est à nous, non? Oui. Nous avons la chair à nous. Durant cette marche, jusqu'au jour de l'enlèvement, la chair va vous combattre. Je donne un exemple, c'est comme les enfants d'Israël qui rentrent à Cana. Dieu leur dit que ici c'est votre terre. Mais je n'ai pas enlevé les ennemis. Wow. Ils sont sur les montagnes, les vallées, les collines. Wow. Mais je vous donne le pays. Mais j'ai laissé vos ennemis. C'est-à-dire que Cana, c'est la parole que nous avons à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est notre pays, la parole. Amen. Mais à l'extérieur, nous avons des ennemis qui sont cachés. C'est-à-dire la chair. La chair, les désirs de la chair, c'est ça nos ennemis. Ils sont là pour nous combattre à tout moment, alléluia, nous corriger, pour que nous puissions toujours s'attendre à Dieu, dépendre de Dieu. Voilà, c'est là où que Paul a ramassé cette écriture. Marcher selon l'Esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Et que pour tout enfant de Dieu qui est né selon l'Esprit, c'était Isaac. Galates chapitre 4, verset 28. La Bible nous dit que nous sommes des Isaac. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Nous sommes les enfants de l'Esprit. Dans un autre volet, Ismaël, qui est né selon les désirs de la chair, représente le fils de la perdition. Yes. Mais l'autre côté, Isaac, lui, représente le fils de la promesse. Amen. Mais ils sont sortis d'un seul père. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, nous tous, nous sortons de Dieu, nous venons de Dieu. Yes. Mais il y a ceux qui vont aller en enfer, il y a ceux qui vont rentrer au ciel. Mais nous sortons d'un seul père. C'est comme Abraham qui a deux fils. L'autre, c'est selon l'esprit. L'autre, qui est le fils de la perdition, selon la chair. Un jour, nous allons parler de la prédestination, c'est de Dieu. Voilà ce que nous disons. Nous voyons que maintenant, Dieu lui dit, ce fils-là qui est né selon les désirs de l'Esprit, Isaac, va le sacrifier. La Bible nous dit que Abraham se leva de bon matin. Qu'est-ce qui peut se lever seulement de bon matin, ma soeur? C'est seulement le soleil. Yes. Pourquoi le soleil? Parce qu'il faut d'abord savoir que le soleil se couche une fois, mais il se lève deux fois. Moi, je n'ai pas étudié le soleil. Est-ce que vous pouvez le prouver? Parce que moi, je n'ai pas... la classe va tant qu'il sera à l'école. Scientifiquement parlant, le soleil se lève une fois, se couche une fois. Yes. Hein? Oui. C'est matin, soir. Nous a appris, non? Oui. Oui. Mais selon la Bible, ce n'est pas ça. Selon la Bible, le soleil se couche une fois, mais il se lève deux fois. Prouvez les papas, quel verset, parce que je sais Ecclésiaste que... chapitre 1, verset 5. Oh, frère, vais botcher. Nous ne parlons pas d'un soleil que vous voyez vous lever le matin, non. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5e. Verset 5e, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Voilà, le soleil se lève, le soleil se couche. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après les lieux. Il soupire après le lieu. D'où il se lève de nouveau. D'où il se lève de nouveau. Ah, vous voyez? Il se couche une fois, mais il se lève deux fois. Il se lève, il soupire. C'est là il dort. Et après ça, il se lève encore. Donc, il se lève deux fois, mais il se couche une fois. Ok. Donc, nous disons ceci, ma soeur BBL, que Abraham, c'est l'image du soleil. Amen. Mais qui est le véritable soleil? Ce n'est que Dieu. Selon Psaume 84, verset 12. Dieu est un soleil. Là, seulement pour expliquer que là, maintenant, Abraham est comme l'image de Dieu. Abraham, maintenant, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Pour expliquer seulement que Dieu, maintenant, va commencer sa scène prophétique. Yes. Parce que la définition de la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est lever du soleil, coucher du soleil, lever du soleil. C'est la marche du soleil
dans le temps et dans l'espace. Où est-ce que vous avez pris ça? Mais je vous ai donné ici un verset. Mais comment vous avez lié ça à la prophétie? Ben oui, parce que... Quel rapport? Oui, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Okay. Parce que la prophétie marche. Ah, ok, ok. Habakkuk, vous qui vous êtes championne de ça, Habakkuk, si la prophétie tarde... Attends là. Attends là. Et quoi? Ça compte. Ben, ça compliquera. Non, la prophétie marche. Ok. La prophétie prend du temps. Ok, ok. Donc Dieu qui est installé, il marche aussi. Il a son temps. La prophétie, c'est prendre... une écriture et la placer par rapport au temps fixé. En d'autres termes, c'est une révélation qui doit être expliquée par rapport au temps fixé. Alléluia. Je donne un exemple. Exode chapitre 12. Dieu dit au peuple d'Israël, prenez l'agneau, mangez et vous sortirez. Israël mange l'agneau et Israël sort. Jean chapitre 1 verset 29. Jean-Baptiste voit Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau. Par la révélation, nous comprenons que l'agneau véritable, c'est un homme. Yes. Maintenant, dans la prophétie, c'est quoi? Tu prends cette écriture, tu dis que, vous voyez, Jésus, c'est l'agneau. Yes. Révélation. Maintenant, la prophétie, c'est de le placer au temps. Vous dites que, il est mort une fois sur la croix, il ne mourra plus. Vous voyez, il ne mourra plus. C'est que vous l'avez placé par rapport au temps. Vous avez une écriture pour vous soutenir dans Hébreu. Il est mort une fois pour toutes. Yes, amen. Là, vous l'avez placé dans la prophétie. C'est que vous avez pris la révélation, mais vous l'avez placé par rapport au temps. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont la difficulté de discerner, de faire la différence entre une prophétie et une révélation. Une révélation. La différence, papa, expliquez-nous. Une révélation, c'est simplement révéler, dévoiler un homme sous la grâce qui est Christ. Ok. La prophétie, c'est de prendre cet homme-là et de le placer dans les temps. Ok. Ça peut être hier, aujourd'hui, demain. Merci beaucoup. C'est comme écriture, il est mort une fois et il ne mourra plus. Là, maintenant, nous n'avons place dans le temps. Vous voyez, il ne mourra plus. C'est que dans le temps, ça ne va plus se faire. Alléluia. Vous voyez? Gloire à Dieu, yes, que Dieu donc, bénisse. Abraham se levait de bon matin. C'est l'image du soleil. C'est l'image de Dieu qui s'élève maintenant. Parce qu'il avait déjà planifié le soir d'aller crucifier son fils. Maintenant, pour le mettre en action... il doit se lever. Se lever de bon matin, c'est Dieu qui commence sa scène prophétique. Mais il l'a commencé avec un peuple. Donc Dieu doit mettre maintenant en exécution ce qu'il a rêvé le soir. Alléluia. Ce qu'il avait déjà dans sa tête depuis l'éternité. Maintenant, il se lève, il dit, je dois maintenant mettre ce que j'ai planifié en exécution. Maintenant, il rentre dans la prophétie. Il se lève comme le soleil. Alléluia. Vous voyez? Yes. Lorsque maintenant il se lève, il doit maintenant marcher. D'où la marche d'Abraham. Oh, gloire à Dieu. Yes. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, en marchant, qu'est-ce qu'il fait? Reprenez Genèse chapitre 22, au verset où que nous étions, au verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne. Voilà. Abraham, lorsqu'il se lève de bon matin pour aller crucifier, donner son fils en sacrifice, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il sella son âne. Yes. Mais pourquoi Abraham doit sceller son âne pour aller crucifier le fils? Ici, l'âne, un âne, c'est un animal, mais c'est un animal qui porte des fardeaux. Qui porte des charges sur lui. Yes. C'est un serviteur, mais qui porte des charges. Psaume chapitre 38, verset 5e. Alléluia. Le livre des psaumes, le chapitre 38, verset 5e. Oui. Nous lisons. 4. Prenez verset 4e. C'est au verset 5 pour d'autres versions. Ok, voilà. Il n'y a rien. 38, verset 4e. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête.
Mm-hmm. Comme un lourd fardeau, et elles sont trop pesantes pour moi. Voilà, ici David nous explique l'iniquité comme un fardeau. Mm-hmm. Donc les iniquités égale fardeau. Yes. Voilà maintenant Dieu, mm-hmm. pour marcher, mm-hmm. il doit prendre un âne, mm-hmm. pour porter le fardeau, pour porter l'iniquité. Mm-hmm. Donc l'âne, c'est celui qui porte le fardeau. Le fardeau, c'est l'iniquité qu'on pose, mm-hmm. maintenant sur l'âne. Okay. Mais l'âne ici, mm. dans son premier volet, mm. explique le sacerdoce lévitique. Mm. C'est-à-dire que pendant la loi, mm-hmm. parce que Dieu a commencé sa scène prophétique avec un peuple, yes. Israël, mm. et il leur avait donné la loi. Mm. Maintenant, il explique, je vais prendre un âne, mm. parce que c'est lui qui porte les fardeaux, donc qui va porter le péché. Mm. L'âne ici, c'est le sacerdoce lévitique. Donc, mmh. Dieu avait donné le sacerdoce lévitique au peuple d'Israël, yes. pour qu'il puisse porter le fardeau du peuple. Alléluia. Voilà pourquoi que le sacrificateur, une fois par année, devait rentrer dans le lieu très saint pour apporter les péchés du peuple. Yes. Pour que le peuple ait le pardon des péchés. Donc le sacerdoce lévitique, c'était l'image de l'âne qui portait le fardeau du peuple. Est-ce que nous comprenons ces choses, bien-aimés, là-bas à la maison, sœur BBL? Mais dans le deuxième volet, l'âne ici, c'est un serviteur qui représente également le peuple d'Israël. Prenez Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, verset 25. 23, 25. Voilà. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Allez-y, ma soeur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, okay. et vos eaux. Okay. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Ok. Ici, le Seigneur, il prend Israël comme ses serviteurs qui doivent le servir. Quand ils vont servir Dieu, c'est là que Dieu maintenant doit éloigner la maladie du peuple. C'est-à-dire que Israël, c'était aussi l'image des serviteurs de Dieu. L'âne, c'est le serviteur. Donc l'âne, c'est lui aussi le serviteur qui représente aussi le peuple d'Israël. Lorsque tu me sers, tu n'as pas la maladie. Je chasse la maladie. Or, la maladie véritable, c'est le péché. Selon Matthieu chapitre 9, Amen. Jésus vient. Il dit que ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Yes. Je suis venu appeler non les justes, mais les pécheurs à la repentance. Amen. Donc, il explique la maladie comme le péché. Donc, lorsque Dieu dit que je chasse... Donc, lorsque tu sers Dieu, tu es fidèle à Dieu. Il est difficile que l'homme pêche. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Est-ce que nous comprenons Amen. Ces Amen. Choses Amen. Donc, l'âne ici représente, dans le premier volet, le sacerdoce lévitique. Deuxième volet, il explique aussi les serviteurs. Donc, Dieu, pour aller accomplir sa mission, ce qu'il avait planifié, il prend un âne. Il vient. Est-ce que nous comprenons Il continue. Il scella son âne. Je dois rentrer. Oui, dans Genèse chapitre 22. Oui. Le verset 2. Voilà. Abraham s'éleva de bon matin. Oui. Scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Ok. Abraham, maintenant il prend deux serviteurs et avec son fils Isaac. Mais pourquoi il doit prendre deux serviteurs? Nous disons ceci, nous allons aussi l'expliquer en plusieurs volets. Les deux serviteurs ici ne font que expliquer tous les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que Dieu, souvenez-vous, pour qu'il puisse aller crucifier son fils, Dieu doit d'abord l'annoncer au préalable. Et qui a annoncé la mort de Christ? C'est seulement les prophètes de l'ancienne alliance. 1 Pierre 1. Versets 9 à 11, les prophètes qui ont prophétisé, ils prophétisaient seulement sur la mort de Christ. Amen. Amen. Donc, c'est les prophètes qui ont accompagné. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes les serviteurs du matin. Parce que Dieu a commencé son service, a commencé sa scène prophétique. Le matin. Okay. Prenez Jérémie chapitre 7, verset 25.
égale Jérémie chapitre 26, verset 4 à 5. Le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 25. 7, verset 27, 25. 25. Pardon, yeah. Voilà, je lis pour la gloire du Seigneur. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Quand? Quand? Depuis. Oui, quand est-ce qu'il a envoyé ses serviteurs? Continuez. Depuis, ok. Le prophète, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ah! Vous voyez? Yes. Donc, les serviteurs, les prophètes de l'ancienne alliance, ont été envoyés dès le matin. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé ce sel prophétique le matin. Okay. Donc, on appelle ça le temps du matin. Okay. C'est-à-dire que la loi, la dispensation de la loi, en d'autres termes, on appelle ça le temps du matin. Pourquoi le temps du matin? Parce que Dieu a commencé sa scène prophétique avec le peuple d'Israël et il a commencé dès le matin. C'est le soleil qui se lève. Okay. C'est la prophétie maintenant qui marche. Qui commence. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Dieu. Il continue, il prend deux serviteurs. Nous avons dit, ça représente les prophètes de l'ancienne alliance. Deuxième volet, ça ne représente pas seulement les prophètes de l'ancienne alliance, mais ça représente aussi les sacrificateurs. Ok. Voilà dans le chiffre 2. Alléluia. Ma soeur, 2023, nous allons monter de niveau. Il ne faut pas seulement rester, ah, Dieu va vous bénir, amen, là vous voyez, hein, Dieu est bon. Non, là c'est la nourriture solide. Avançons seulement, avançons. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, donc ça représente, en deuxième volet, ça représente qui? Les sacrificateurs. Okay. Parce que Dieu utilisait aussi les sacrificateurs. Abraham, c'était aussi un sacrificateur. Yes, amen. Pour expliquer le mouvement de Dieu. Amen. Continuez. Il fendit... Non, du, oui, du, donc il prend avec son fils. Isaac, yes. Il prend son fils Isaac. Donc, on a l'âne. Yes. On a quoi? Deux serviteurs. Et son fils Isaac. On prend... Il a son fils Isaac. Est-ce que nous comprenons? Yes. C'est-à-dire que, pour dire ceci, que pendant toute la dispensation de la loi, Jésus était là. Amen. Parce que Isaac, c'est l'image de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Donc Jésus était là pendant la dispensation de la loi. Voilà pourquoi que beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Oh, ils cherchent Jésus. Ils cherchent là où s'écrit J-E-S-U-S. Vous n'allez pas trouver. Voilà pourquoi que le jour où que la maman de Samson a rencontré l'ange, il lui dit, dis-moi ton nom. Pourquoi tu veux connaître mon nom? La maman de Samson demande à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel lui répond, pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. Pour dire que le nom de Jésus n'était pas encore révélé. La bonté de Dieu n'était pas encore révélée. Alléluia. Pourquoi tu cherches? Or que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jésus était déjà là. Donc, nous voyons que Isaac, il voit son père prendre l'âne, les serviteurs, mais lui, il était là. Il est calme. Oh. Pour dire que Jésus, depuis l'ancienne alliance, depuis le temps de la loi, Jésus, il était là, mais il ne se manifestait pas. Il marchait avec les prophètes, yes. Mais il ne se manifestait pas. Alléluia. C'était pas encore son temps. Avec les sacrificateurs. Pour, la charge était pour le sacrificateur. La charge était pour l'âne. Les prophètes. La charge était pour l'âne. Alléluia. Mais lui, il était là. Allez, on avance, nous avançons. Jésus était là. Alléluia. Il était caché. Alléluia. L'enfant était là. Alléluia. Jésus n'est pas sorti du néant selon le temps de la grâce. Nous voyons un homme sortir du néant. Non. Il a commencé avec tous les prophètes. Il a marché avec eux. Il était là. Yes. Mais il ne s'est pas manifesté. Voilà pourquoi. Ah, c'est, mais peut-être c'est une révélation. Fumula, papa. Non, on peut savoir la 2024. Mais c'est non? Pas pour toi. Hein. C'est pour okay. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'on prend Jésus, on le met à la croix. Beaucoup de gens disent qu'il était pondu au bois. Ah, sœur, cet enseignement-là, il faut que tout se coule en monde. Sœur, il était. On lui donne la croix. Ok? Yes. Jésus marche. Il marche avec la croix. Mais la Bible dit quoi? Est-ce que le peuple était devant ou bien, bien le peuple était derrière lui? Derrière lui. Lorsque nous regardons les films, nous voyons qu'ils mettent Jésus derrière le peuple. Or que Jésus n'a jamais été derrière le peuple. Si on
Jésus derrière le peuple avec sa croix. Donc, vous voyez qu'il y a une foule autour de lui, il y a des gens devant lui, il marche et il tombe. Jésus n'est jamais tombé. Oh, Jésus, portant la croix, il était devant tout le monde derrière lui. Pour accomplir, parce que ceux qui battaient qui est le bosson, on l'aurait mis devant, on aurait gâté la Bible. On aurait gâté la Bible. Comment ça, papa? Parce que l'Écriture dit, c'est seulement pour accomplir cette Écriture que Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces choses l'objet de leur salut et de leur recherche, voulant toucher la grâce qui vous a été réservée. Mais il a été clairement dit que ce n'était pas pour vous. Et ces prophètes-là ne faisaient que attester la mort, les souffrances et la gloire de Christ. Il ne faisait qu'attester. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être devant Christ. Il ne pouvait qu'être derrière lui. Parce que tous ces prophètes-là de l'Ancienne Alliance ne faisaient que prophétiser sur un homme. Alléluia. Il ne pouvait pas être devant. Sauf qu'il m'a tchaké, il m'a dit Jésus, mais ma bébé, c'est Bible, mon bimba. Parce que Jésus, c'est lui qui les conduisait. C'est-à-dire que Jésus marchait tout le monde derrière lui. Si Jésus s'arrête, tout le monde s'arrête. Comme dans l'Ancienne Alliance. Si Dieu marche, Abraham aussi marche. Si Dieu s'arrête, Abraham s'arrête. C'est comme avec le peuple d'Israël. La colonne de nuée. Si la colonne de nuée marche, tout le monde marche. Si la colonne de nuée s'arrête, tout le monde s'arrête. Jésus, pour expliquer ce mouvement-là, il vient tout le monde derrière lui. Il marche, tout le monde marche. Il s'arrête, tout le monde s'arrête. Il va à droite, tout le monde va à droite. Il va à gauche, tout le monde va à gauche. Les guides, alléluia. Jésus n'est jamais tombé comme dans les films, nous voyons, Jésus est tombé. Non, Jésus n'est jamais tombé, on le voit tomber, il reprend son souffle. Non, il n'est jamais tombé, il a porté toutes nos souffrances. S'il tombait, nous serons tous finis. Il a marché jusqu'à la croix et il est monté. Oh Jésus, je t'aime, yes. Donc pour dire que Jésus était là depuis l'Ancienne Alliance. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir, papa, parce que nous la semaine prochaine, nous allons expliquer le bois, fondre le bois. Là, nous avons donné quelques petites lumières pour montrer au peuple que toutes ces choses, c'est qu'il y a un enseignement. Amen. Mais que réellement, la semaine prochaine, nous allons monter vraiment faire asseoir ça dans la vie du peuple. Faire asseoir ça dans la vie des gens. Parce que nous avons d'abord voulu toucher aux bases. Nous avons voulu mettre les bases. Nous allons expliquer la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, fondre le bois. Et nous allons monter directement. Nous allons expliquer c'est quoi la montagne aujourd'hui. Ça représente quoi? Pourquoi Dieu a seulement choisi Morija? Il y avait plusieurs montagnes, mais Dieu a seulement choisi Morija. Pour dire qu'à Morija, il y a un enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, voilà, Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, merci pour votre fidélité et soutien. Je crois fortement que vous êtes bénis. Si vous avez des questions, il faut toujours contacter le frère Hervé Boutier. Il va vous expliquer. Selon que le Saint-Esprit va lui inspirer. Merci de votre participation et contribution. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi la chaîne qui nous a reçue aujourd'hui, ce soir, Foi TV des frères Hervé Vika. Merci, Papa Hervé, pour cette portion de l'Écriture, cette grâce que vous nous avez partagée, vous avez partagée avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse davantage et que Dieu vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Voilà, nous retrouverons la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, nous allons entrer comme papa derrière Val. Donc, tout ce qu'on a vu pratique. Pour nous, Elie Kolobani, Makambo, on s'est expliqué tout ce qu'il vient d'expliquer. Si maintenant, pour nous, dans cette vie pratique, qu'est-ce que ça représente pour nous? À la prochaine, ne manquez pas. C'était la votre BBL Étoile Salvatrice. Bonne soirée, shalom. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.
cet errant.